Salut à toi, cher public adoré, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve, comme promis, on avait dit qu'on ferait un projet qui raconte une histoire. Aujourd'hui, on part sur Dragon Ball Super Broly, le film, le prochain film qui va sortir au mois de décembre. Autant vous dire que je suis hypé de fou. J'ai vraiment très envie de voir le film. Alors du coup, moi, je suis parti sur une théorie qu'on trouve facilement sur Internet. Est-ce qu'on va intégrer Gogeta dans la narration de Dragon Ball Super? Parce que du coup, le film, ce qui est très intéressant, voilà, vous avez vu Broly, je suis en train de travailler dessus, mais j'aime pas trop la position que je l'ai fait adopter. Je l'efface complètement, je repars à zéro. Donc en fait, moi, je suis parti sur la théorie, on rend Broly canon, on va rendre Gogeta canon. Et ça, je suis hyper excité. C'est ce qui a inspiré mon dessin, je voulais vraiment, voilà, mettre en scène un Broly surpuissant, qui détruit carrément son environnement grâce à son aura, face à Vegeta et Son Goku, sur le point de fusionner, vraiment l'instant critique. J'aimais bien cette idée de saisir cet instant-là. Peut-être qu'on reviendra plus tard avec un autre dessin, cette fois-ci la confrontation, hein, Gogeta Broly. D'ailleurs, il est assez connu, on l'a déjà vu dans à l'époque sur l'opening de Budokai 3. Mais bref, là, du coup, on est sur le dessin. Moi, j'avais vraiment envie de m'axer là-dessus, voilà, sur la puissance de Broly, comment faire pour le battre, puisque Goku SSJ Blue, dans le trailer, on voit bien, il est déjà dépassé. Alors que Broly n'est même pas transformé, donc c'est un peu le désespoir, le dernier rempart, là c'est la fusion. Là, on a fini le dessin, on part sur l'aquarelle, donc vous allez voir, j'utilise des petites techniques, un petit peu de gomme sur l'électricité autour de Broly pour libérer l'éclair. On utilise des techniques assez simples, hein, juste on mouille certains endroits pour mixer les couleurs. Je suis assez content du résultat global, vous allez voir. Sur Broly, je le mets vraiment tout vert, comme on l'a vu dans le trailer. Vraiment submergé par l'aura, vous allez voir d'ailleurs, je vais utiliser des petits effets grâce à l'eau, l'aquarelle, c'est assez sympa, j'aime beaucoup, je pense que j'en ferai plus souvent à l'avenir. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes hypé par le prochain film de Dragon Ball Super? Moi, en tout cas, je suis vraiment dans la patience totale, je suis comme un gamin qui attend le jour de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que Gogeta va revenir? Bon, là, au moment où on tourne la vidéo, on sait plus ou moins qu'il va revenir. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez peut-être Beerus qui va intervenir? Peut-être Whis? Peut-être une autre technique, le retour de l'Ultra Instinct, qui sait? Quant à moi, je vous laisse ici les amis. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo si elle vous a intéressé, mais déposez même un petit like. Et si à l'avenir, l'envie vous en prend, faites-vous une toile. Tous les liens sont dans la description, ne l'oubliez pas. Très important également, jetez un petit coup d'œil et soutenez Breggy. Son SoundCloud est également dans la description. En attendant, moi, je vous laisse ici. On se retrouve pour la prochaine fois avec une commande cette fois-ci. Aujourd'hui, c'était un sujet qui me tenait à cœur. J'avais envie de me faire plaisir, mais la prochaine fois, ce sera une commande. En attendant, prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace out.